Calbe dit, nous sommes tous membres les uns des autres. Avec une pleine assurance, en étendant ta main. Ils ont pas commencé à se lamenter, ils ont loué Dieu parce qu'ils ont compris que non. Et maintenant, Seigneur, voilà les menaces. Relâchés et on les a donné l'interdiction de prêcher. Aujourd'hui, nous allons partager un verset dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons le verset 29 et le verset 30. Je lis la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 29. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 et verset 30. La Bible dit ceci: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 et verset 30. Je relis encore la parole de Dieu. La Bible dit ceci: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur. Ok, bienvenue le Seigneur. Je veux dire ceci: dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3 et chapitre 4, si nous lisons ces deux chapitres, chapitre 3 et chapitre 4, la Bible nous fait voir que les disciples avaient eu un problème juste à cause des miracles d'un paralytique. Il y avait un homme qui était paralytique, qui se tenait souvent devant le temple, devant la porte, sur l'une des entrées du temple. Et ces gens-là demandaient au monde, demandaient qu'on puisse l'aider, demander qu'on puisse lui donner quelque chose. Et les disciples, un jour, ils avaient guéri cet homme par la puissance du Saint-Esprit. Alors la Bible nous fait voir qu'ils avaient eu un problème et ils avaient reçu l'interdiction de prêcher et de guérir au nom de Jésus. La Bible nous fait voir aussi que lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient en prison et quand ils sont sortis, on les a donné l'interdiction de prêcher et de guérir au nom de Jésus. Alors, lorsqu'ils sont rentrés dans l'endroit où il y avait leur groupe, où ils avaient l'habitude de se rassembler, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier, les disciples. Quand ils ont été relâchés et on les a donné l'interdiction de prêcher et de guérir au nom de Jésus, ces gens-là maintenant ont rejoint leur camp, leur groupe. Et ils ont commencé à prier, La Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Au lieu de pleurer concernant la situation, est-ce que vous comprenez? Comme les autres ont l'habitude de le faire. Parce que de nos jours aujourd'hui, quand un homme de Dieu, un frère, une sœur, reçoit l'interdiction auprès des autorités d'un pays, et on voit souvent les chrétiens commencent à pleurnicher, commencent à se lamenter que les autorités nous ont interdit de faire ceci, nous ont interdit de faire cela. Mais et par contre, au lieu de pleurer concernant cette situation, comme les autres ont l'habitude de le faire, et ils ont choisi plutôt de louer Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que nous devons toujours bien lire ces deux chapitres, Actes des Apôtres, chapitre 3 et chapitre 4. Et ils ont choisi de louer Dieu dans les versets 24. Toujours dans le chapitre 4, les versets 24. La Bible dit ceci: lorsqu'ils eurent entendu
Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, pourquoi se tumulte parmi les nations et se vaine pensée parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Vous comprenez? Ils avaient compris que les gens se sont ligués ou les autorités sont commencé à compléter contre la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas commencé à se lamenter, ils ont loué Dieu parce qu'ils ont compris que non, tout ça fonctionne comme a été prédit de l'avant. Depuis la bouche des prophètes, ils voient les choses fonctionner comme ça a été prévu. Donc, ils n'ont pas besoin de se lamenter. Ils ont dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Au lieu de dire plutôt, Seigneur, ils nous ont interdit de prêcher. Ils nous ont interdit de guérir. Sinon, ils vont nous tuer. Si on le fait, on aura des problèmes. Donne-nous un autre moyen qu'on peut faire ton travail. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas demandé, c'est comme ça. Donne-nous un autre moyen de faire ton œuvre. Non. Et ils ont dit ceci, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Ils ont demandé encore plus d'assurance, que Dieu leur accorde d'assurance, d'annoncer encore sa parole. Ils ont dit, nous prêcherons et nous soignerons au nom de Jésus-Christ. Ils vont continuer, ils ne vont pas abandonner. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et qu'il se fasse des miracles et des guérisons par le nom de ton saint serviteur. C'est ça que les disciples ils avaient dit. Donc ils avaient besoin que Dieu puisse commencer à continuer encore à manifester sa puissance à travers les paroles qui sortent de leur bouche. Ils n'ont pas pleuré, ils ne se sont pas lamentés. Que Dieu vous encourage. Sois fortifié. Que Dieu te donne encore l'assurance. Toi qui es dans un pays, toi qui es dans une ville où il y a des problèmes, où il y a des soulèvements contre la puissance du Saint-Esprit, où il y a des gens qui se liguent, qui se lèvent contre l'Esprit ou la parole de Dieu. Que Dieu te donne l'assurance. Que tout ce qui sort de ta bouche doit être accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Vivre dans la sainteté. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Vivre dans la pureté, tu verras la puissance du Saint-Esprit se manifester au travers de toute parole qui sortira de ta bouche. Reçois mes salutations, peu importe la ville où tu te trouves, dans le monde. Nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. Calvin dit, nous sommes tous membres les uns des autres, membres de son corps. Et c'est nous qui formons ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu soit sur toi, comme la grâce de Dieu était sur eux tous, car ils marchaient dans l'amour, demeurent dans l'amour, car sans l'amour, nous ne pouvons rien. Il est l'amour, notre Dieu, et il a dit, aimons-nous les uns les autres. En cela que les gens vont comprendre réellement, nous sommes ses disciples, si nous manifestons l'amour au travers de nous. Peu importe qu'on te insulte, qu'on te tape, bénissez l'Éternel et ne maudissez jamais. Demande seulement la puissance du Saint-Esprit qui puisse t'accompagner. Que Dieu accomplisse toujours sa parole. Que la puissance de Dieu accompagne toujours sa parole qui sort de ta bouche. Que maintenant tu puisses être couvert par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois béni.